À Gaspé aujourd'hui vous est présenté par les caisses populaires Desjardins. À Gaspé aujourd'hui de ce lundi le 10 avril 2017. Bonne fin d'après-midi, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'émission. On revient de voyage à Québec. Oui, vendredi, on a décidé de sortir, aller en voyage d'études, prendre l'air de polluer de la ville, mais surtout aller faire un tour au Parlement avec cette interpellation de 2 heures des députés péquistes Gaétan Lelièvre et Sylvain Roy, qui ont interpellé le ministre régional Sébastien Proulx et le député des Îles-de-la-Madeleine, Germain Chevary, sur la question de la région, évidemment. On vous présente évidemment tout ce qu'on a pu voir, les jeux de coulisses et même une entrevue exclusive avec le ministre régional Sébastien Proulx. Chose qui est triste, même si on faisait ça à Québec. J'ai croisé un ancien collègue sur la colline parlementaire vendredi matin. Je lui demandais, bon, regarde ça un peu la Gaspésie. Et première chose qu'on a dit, ben, ça intéresse pas personne. C'est ça qui est triste, ça intéresse pas personne. Et non seulement ça intéresse personne, mais j'ai cherché toute la fin de semaine à essayer de trouver un entrefilet quelque part dans les médias. Zéro open bar. Alors, ça n'a pas dépassé probablement Rimouski une fois plus. C'est triste, mais c'est ça. Ça intéresse pas la Gaspésie, sauf quand ça saigne ou quand il fait une méga tempête. Ah, peut-être que même encore les tempêtes, là, c'est bien dur à vendre le mauvais temps. Il faut que ce soit exceptionnel, puis que les chemins sont barrés, puis que 2 ambulances tombent dans le fond d'une route qui a été emportée par la crue des eaux. C'est à peu près ça le portrait. Bref, on va revenir en long et en large sur cette interpellation de vendredi dernier avec Sébastien Proulx qui sera là, les acteurs gaspésiens qui étaient là, des choses surprenantes qui ont été dites aussi, des gens qui ont dû se défendre aujourd'hui. Alors, c'est le menu. Et on va parler aussi du dossier des fosses sceptiques qui avait fait couler beaucoup d'encre il y a 2 ans quand ça a été instauré. Premier bilan 2 ans plus tard, alors avec le maire de Gaspé un peu plus tard dans l'émission. Mais d'abord, la météo. ...40% de probabilité d'averse à venir au cours de la nuit, le minimum à 3 degrés. Demain, mardi, c'est généralement nuageux avec un maximum à 7. De la pluie mercredi intermittente avec 3. Jeudi, soit de la pluie ou de la neige. Marquez qu'on prévoit 6 degrés, alors ce sera peut-être à peine en début de journée, en fin de nuit. Vendredi, ensoleillé 7, samedi, du soleil 3 et puis dimanche également. C'est la fin de semaine pascale, n'oubliez pas. Et dimanche, une belle journée qui est prévue avec 8. Surprenant le soleil vendredi, là, ça a le temps de changer habituellement. Le vendredi saint, là, c'est une journée triste. Les normales, 5 et moins 4. Le soleil s'est levé à 5h37 de plus en plus tôt, se couche de plus en plus tard aussi, à 19h01 d'ailleurs, au retour de Québec hier. On pouvait constater qu'on pouvait se rendre jusqu'à l'Anse Pleureuse à la Clarté maintenant. Alors, c'est la beauté de la chose. Parti à 11h de Montréal, marquez bien. Il a fait 7,6 hier, je n'ai pas pu le voir, moins 3,5 au minimum. Et il n'est rien tombé hier en termes de précipitations. La prochaine marée sera basse à 20h39 à 1 pied 6, haute à 2h46 à 4 pieds 9, basse à 9h12 à 1 pied 3, haute à 15h19 à 4 pieds 3 et basse mardi en soirée à 21h09 à 1 pied 6 pouces. Après la pause, l'actualité locale. 4 saisons motorisées vous offrent la gamme de produits d'entretien de pelouse et de jardin Columbia. Une tondeuse à rayon braquage zéro ou de tracteur de pelouse et de jardin Columbia. Venez rencontrer Steve et son équipe chez 4 saisons motorisées au 5 rue du Lilas à Gaspé. Bienvenue au Provigo Nadine Murray. Venez rencontrer Jean-Claude et son équipe au rayon fruits et légumes. Fraîcheur et variété sont au rendez-vous. Nous vous offrons une excellente variété de produits d'épicerie, produits biologiques, le choix du président ou menu bleu. Un service rapide et courtois. Pour les passionnés de pêche sur glace ou de raquettes, venez rencontrer Martine et Marcel à la boutique Sport Plein Air. Vous y trouverez tout l'équipement qu'il vous faut pour agrémenter vos loisirs. La boutique Sport Plein Air, au 1 rue de l'Église, à Rivière-aux-Renards, 418-269-2530. Bienvenue à l'épicerie Marcel Langlais et Filles, un service personnalisé depuis 30 ans. Nos employés courtois et chaleureux sauront vous servir. L'épicerie Marcel Langlais et Filles, au 49 de Corte-Réal à Gaspé, 418-368-3712.
Le vrai spécialiste de l'aménagement intérieur, c'est StoreMag de Gaspé. Laissez nos designers, décoratrices et conseillers mettre leurs compétences à votre disposition. Chez StoreMag, nous sommes fiers de vous servir depuis déjà 25 ans. StoreMag de Gaspé, du 139 boulevard Gaspé, laissez-nous vous offrir un décor unique. Voici votre équipe au service de Kia Gaspé. Guylain Normand, directeur pièces et services, Terry Lemieux, Sophie Côté, nos mécaniciens, et Guy Cloutier à la livraison et préparation de véhicules. Kia Gaspé, le service après-vente positif, notre priorité. Depuis 62 ans, Raymond Chabot Grant Thornton est au cœur de l'activité économique de Gaspé. Que vous soyez un particulier, un travailleur autonome ou une entreprise, nous vous aiderons à réaliser votre plein potentiel de croissance. Faites confiance à notre équipe et venez nous rencontrer à notre bureau de Gaspé. Profitez de votre passage au Uniprix du Carrefour Gaspé pour visiter notre coin bébé produits québécois, les lignes de produits Studio Make-up et Lise Wattier, les soins Daniel Henkel et la cabine d'esthétique. Votre pharmacienne de famille Vicky Fournier vous invite chez Uniprix du Carrefour Gaspé parce que ça fait du bien. Vous avez besoin de fournitures scolaires, matériel de bureau? Vous avez l'âme créative! Notre vaste choix de matériel d'artiste est pour vous. Pour les tout-petits, nous avons une section jeux et du matériel éducatif qui fera le bonheur de toute la famille. Pas d'inquiétude, passez à la papeterie Cartier. Vous voulez changer votre voiture? Venez rencontrer André Boulay et son équipe de vente qui cumule plus de 60 ans d'expérience. Ils seront vous guider vers le bon choix. Une expérience qui a su se transmettre d'une génération à l'autre. Boulay Dodge Chrysler au 70 Jacques Cartier à Gaspé. 418-368-3344. On revient sur cette interpellation qui avait lieu vendredi dernier du côté de l'Assemblée nationale à Québec, où on s'est déplacé pour l'occasion pour entendre tout ce qui allait se dire. Évidemment, on ne pourra pas résumer en deux heures en quelques secondes, mais toutefois, on a eu l'occasion de rencontrer d'abord le ministre régional après l'interpellation de deux heures, où on lui posait carrément la question d'ouverture qui avait été faite. La Gaspésie est-elle délaissée par le gouvernement libéral? D'abord, on écoute le ministre Proulx qui résume la situation et ensuite, sur les points particuliers. D'abord, c'est vrai qu'il y a des enjeux en Gaspésie. Il demeure des enjeux en Gaspésie, qu'il y a toujours des enjeux dans les régions du Québec, mais il n'en demeure pas moins qu'on soutient la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, qui étaient présentes ce matin, puisque c'est la même région administrative. Autant au niveau des investissements, on en a moins parlé ce matin, mais les investissements privés les plus importants au Québec sont en Gaspésie. Il y a des questions d'ordre de santé qui ont connu des réponses très positives dans les dernières semaines. On a parlé des transports, c'est normal, c'est un enjeu extrêmement important et pour la Gaspésie et pour le Québec. Bon, on a des échanges souvent plus longs à l'égard du train. C'est normal parce qu'on est en attente de réponse et on a parlé de Percé aussi pour lequel la collaboration entre les différents ministères est excellente avec la municipalité. Parlons justement du train. Vous avez répété depuis le consensus régional sur la marchandise qu'il faut refaire les études. Je pense que les gens comprennent qu'il y a un délai pour faire ces études-là. Je pense que les gens, ce qu'ils ont envie d'entendre, c'est à quelle hauteur on est rendu au niveau des études? Est-ce qu'on est rendu à 70, 80%? J'aimerais bien être capable de vous répondre. Je ne suis pas dans les bureaux des analystes du ministère des Transports. En même temps, mon équipe et moi faisons le travail de manière hebdomadaire, quasi quotidien, de suivre de ce dossier-là. Je suis en lien régulièrement avec mon collègue ministre des Transports. Ce qu'on souhaite, là, c'est dans le fond, c'est de se donner la capacité de dire aux gens en Gaspésie, voici, vous souhaitez un transport de marchandises, d'abord sur l'ensemble du tronçon, jusqu'à Gaspé, bien voilà quels seraient les coûts pour le faire. Voici maintenant jusqu'où on peut aller avec les capacités financières du gouvernement maintenant, mais voici ce que ça en coûterait si on avait aussi les passagers sur le tronçon, peut-être dans un deuxième moment. Mais moi, je tiens à ce qu'on soit capable de savoir ce qu'il y en est maintenant. Je ne crois pas possible de penser qu'on va dire aux Gaspésiens que les passagers s'est mis de côté. Qu'on veuille prioriser le transport de marchandises, je l'entends, mais je ne crois pas pas utile et louable et surtout possible à long terme de penser qu'on va améliorer les transports en Gaspésie, mais qu'on n'améliorera pas la mobilité pour les personnes. Pour moi, il y a là un enjeu important. On a parlé des différentes entreprises qui pourraient dans l'avenir occuper le chemin de fer. Il y a effectivement des entreprises qui pourraient bénéficier davantage du chemin de fer, mais je rappelle aux gens,
ça fait pas longtemps qu'on l'a acquis. Là. C'est 2015 et l'ensemble des créanciers qui, à l'époque, pouvaient y laisser plus que leur chemise ont été payés, remboursés par le gouvernement. On a acquis le rail, donc on a sécurisé les installations, on a préservé les emplois, c'est plus de 300 en lien avec le rail. Maintenant, il faut voir comment on va faire son développement par étapes. Et moi, là, à l'automne dernier, voire au début de l'hiver, j'étais prêt à faire une annonce importante. Ça va prendre quelques semaines de plus parce qu'on doit revoir les analyses. Le ministre Poitier, à l'époque où il était au transport, disait « Démontrez-moi que le rail sera rentable. » De plus en plus, et j'ai eu connaissance de lettres qui ont été envoyées à votre collègue Lessard, de retombées économiques directes de 25 millions, 15 millions directs pour une seule entreprise. On est en train de faire la démonstration, c'est rentable. Est-ce que vous pouvez donner l'assurance que le train de marchandises va se rendre à Gaspé dans un avenir, disons, rapproché, à court terme ou à moyen terme? Je ne peux pas spéculer sur la fin, dans la mesure où je n'ai pas vu l'ensemble des études. Je ne connais pas la hauteur ni les difficultés d'ingénierie pour s'y rendre. Mais est-ce que le train de marchandises se rendra à Gaspé un jour? Ben, écoutez, moi, je pense qu'on va réhabiliter le rail dans son ensemble. Je pense que c'est la volonté. En tout cas, on travaille pour que ce soit le cas. Maintenant, s'il y a des enjeux qui font en sorte que ce n'est pas le cas avant un certain nombre d'années, on sera en mesure de les expliquer quand on aura les éléments pour soutenir des propos comme ceux-là. Mais moi, je n'aime pas me placer ni dans la situation, et surtout placer les gens dans une situation où on crée des attentes auxquelles on ne peut pas tenir. Et moi, ça, je ne suis pas comme ça. Et je pense que les gens apprécient ce type de gouvernance-là, de dire, écoutez, les règles du jeu ont changé. Le consensus, il est différent. Alors, dans ce contexte-là, on va refaire le travail parce qu'on vous entend, on vous écoute et on respecte ce que vous nous dites. La preuve en est, c'est que je n'ai pas tenu à faire une annonce à tout prix qui aurait fait l'affaire de personne, alors que dans les faits, on aurait mis des millions de dollars en Gaspésie en travaux dès maintenant pour débuter la réhabilitation du rail. Alors, c'est un travail qui est sérieux, qui va nous amener, et c'est notre souhait, à la pleine utilisation du tronçon, des 325 km que nous avons acquis. Mais il y a une réalité. Combien ça coûte? En combien de temps? Quels sont les défis technologiques et d'ingénierie pour s'y rendre? Je n'ai pas toutes les informations. Parlons de Percé. Je pense que sur le terrain, tous sont unanimes pour saluer les efforts qui sont faits actuellement pour accélérer en vitesse grand V les travaux de réhabilitation de la promenade, en fait, la recharge de plage. Il reste la problématique du quai. Le ministre, votre collègue, M. Blanchet, a été clair cette semaine, la CEPAC ne reprendra pas le quai. La municipalité n'a pas les moyens de reprendre une infrastructure comme telle. Alors, est-ce que la solution ultime passera par Québec? Parce qu'il y a encore des discussions actuellement entre Percé et Ottawa. Il faut que vous sachiez qu'il y a des discussions entre Percé et Québec pour l'ensemble de la promenade, pour l'ensemble des travaux. Travaux qui vont se faire comme en trois phases, si on veut. D'abord, la préparation, telle qu'on le fait maintenant, la recharge de la plage, pardon, qui viendra suite à l'annonce que je faisais en début de semaine, là, de dire qu'on sera capable de lancer l'appel de projet, et par la suite, une promenade. En ce qui a trait au quai, des rencontres ont eu lieu entre le ministère de la Sécurité publique, qui est toujours l'autorité gouvernementale en raison du décret qui a été rendu le 31 décembre dernier, donc qui est l'autorité du gouvernement pour discuter avec Pêche et Océan Canada. Et ça s'est fait. Pêche et Océan Canada va, dans les prochaines semaines, de ce que je comprends, ou jours, en fonction de la météo, être en mesure d'aller inspecter les installations, vont avoir une meilleure idée des travaux à faire pour faire une remise en état des lieux, parce qu'il a été lui aussi endommagé, de ce que je comprends, le 30 décembre dernier. Alors, à la lumière de ces informations-là, va s'engager une réelle discussion avec le gouvernement, la municipalité et le fédéral, et on va trouver une solution. Parce que le quai est essentiel à la promenade, le quai est un ouvrage permanent qui permet la protection d'une partie de la plage et des installations, et il est utilisé par, la CEPAC notamment, mais aussi par des transporteurs ou promoteurs privés qui l'utilisent pour du transport ou de la pêche, et des excursions, pardon. Alors, dans ce contexte-là, c'est important, et il n'est pas question de laisser tomber le quai dans un projet de promenade. Alors, comme on va de l'avant avec la promenade, comme on a levé les embûches, et on va trouver les solutions nécessaires pour le quai. Dernière question, la Haute-Gaspésie. Bon, on connaît la problématique de dévitalisation qui est déjà fortement documentée. On a vu les tempêtes qui ont fait des ravages sur le réseau routier. On vient de voir ce qui se passe avec Orbit. En quelque sorte, c'est une zone sinistrée économiquement, si on peut dire. Est-ce qu'on a un plan de match pour
C'est récent, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de redynamiser ce milieu qui souffre depuis 40 ans? Vous avez tout à fait raison qu'il y a une sous-région dans la région qui subit des contre-coups plus forts que d'autres régions. Chaque entreprise compte. Je me souviens, lorsque je suis arrivé en poste comme ministre régional, il y avait eu l'enjeu de l'épicerie où la mairesse avait téléphoné. Je lui avais parlé en soirée assez tard pour me dire, Monsieur Proulx, 12, 15, 20 emplois à Saint-Anne-des-Monts, c'est 15, 20 emplois importants pour Saint-Anne-des-Monts. Ce n'est pas qu'une restructuration commerciale. Et j'avais saisi là toute l'importance de ces propos. Alors, on va travailler avec les gens de la Haute-Gaspésie. Je travaille avec la commission scolaire. On est en discussion avec la municipalité pour voir comment on peut travailler à mieux développer leurs infrastructures, comment on peut soutenir les infrastructures de transport et autres. Je vais rencontrer les gens d'Orbit très prochainement pour voir de quelle façon, moi, je peux les aider, sachant très bien que mes collègues du ministère de l'Économie et des Sciences et de l'Innovation sont déjà au travail avec eux. Alors, on va les soutenir. Reste à voir quels sont les projets là, qui, aujourd'hui, peuvent nous permettre de renverser la tendance. Il y a des projets d'infrastructure, il y a des enjeux de population, d'immigration, et il y a des enjeux d'éducation sur lesquels je travaille déjà avec la commission scolaire. C'est déjà là des enjeux importants. Et dans le cas d'Exploramer notamment, le signal que j'ai lancé ce matin... Vous avez remis 10 000 $ cette semaine. Bien, nous, on continue de les aider là, dans la mesure du possible, d'une manière quasi personnelle, là, en soutenant le projet. Mais le message que j'ai donné ce matin est pas banal. Il a été discuté lorsqu'on a eu la rencontre des préfets. Si la Gaspésie veut aider Exploramer, le phare, ce nouveau fonds qui sera déployé dans toutes les régions, est une occasion de soutenir Exploramer. Merci beaucoup. Merci à vous. À la clinique vétérinaire Evwood Lavoie, lorsque votre animal se présente pour un toilettage, il est pris en charge par une équipe toujours à l'écoute de vos besoins. Après une séance dans notre salon, vous ramènerez chez vous un animal transformé. La clinique vétérinaire Evwood Lavoie, au 13 rue des Cerisiers à Gaspé. Avec une équipe qui surpasse chaque année pour vous offrir un service hors du commun, pas surprenant que des milliers de Gaspésiens fassent confiance aux roulottes Réal Glouin de Rivière-aux-Renards. C'est maintenant plus de 130 modèles en inventaire. Roulottes Réal Glouin, le spécialiste VR en Gaspésie. Soyez le héros d'aujourd'hui avec Varilux. Ayez une vision ultra nette à toutes les distances. Les verres progressifs Varilux vous permettent de mieux voir sans effort. Grâce à des technologies uniques, issues de plus de 50 ans d'innovation. Varilux, le pouvoir de mieux voir. Avec un service de radiologie sur place et des soins de haute qualité, l'équipe de docteurs en chiropratique de la clinique chiropratique Cyré Henry sera en mesure de répondre à vos besoins en matière de santé. La clinique est fière de contribuer à améliorer la santé des Gaspésiens et Gaspésiennes depuis plus de 40 ans. Chez Égide Dupuis & Fils, nous sommes la référence en pièces automobiles, équipement et outillage depuis 50 ans. Venez rencontrer l'un des membres de notre équipe ou téléphonez-nous. Pour avoir plus d'informations, avec Égide Dupuis & Fils, entre nous, c'est du solide. Au IGA Crozier, toute l'équipe est là pour mieux vous servir. Venez rencontrer Gilles, Fernand, Wendy, Nathalie, Marilyn et Marius dans leurs départements respectifs. Ils seront plus qu'heureux de vous conseiller et vous aider à faire le bon choix. Les petites et moyennes entreprises doivent pouvoir compter sur un partenaire des technologies informatiques qui est un véritable visionnaire. Big Informatique est le fournisseur auquel vous pouvez faire confiance. Contactez-nous au 418-368-3055. Big Informatique est membre de TechSelect. Pour les amateurs de raquettes et de vélo, Fight Bike, qui vous permet de découvrir le plaisir d'explorer des pistes de neige damées. Venez rencontrer Martine et Marcel. Ils sauront satisfaire tous vos besoins. La boutique Sport Plein Air, au 1 rue de l'Église, à Rivière-aux-Renards. Gaspé Honda vous présente Marc Samuel, conseiller aux ventes. Si l'expérience est un gage de compétence, vous serez bien servi avec Marc. Toujours disponible, il saura répondre à toutes vos questions. Venez le rencontrer chez Gaspé Honda. Je m'appelle Sarah Chrétien, agente de développement économique à la MRC de la Cour de Gaspé. Je suis passionnée par mon travail, comme vous l'êtes, par votre projet d'entreprise. Plan d'affaires, prévision financière, financement de projet, nous sommes la porte d'entrée pour concrétiser vos idées. On
On a entendu juste avant la pause le ministre Sébastien Proulx. D'abord et avant tout, les réactions à la suite de cette interpellation en point de presse. D'abord, Sylvain Roy, qui n'a pas trouvé grande réponse à ces questions. Dans le dossier du train, il a invoqué à plusieurs occasions le fait qu'il n'y avait pas de consensus, que le consensus était dur à avoir, mais ce n'est pas compliqué. Ils ont coupé les outils de développement, ils ont coupé dans les institutions de concertation. Et après ça, ils disent aux élus, vous ne vous entendez pas. Donc, c'est une vieille stratégie, on divise pour régner, vous ne vous entendez pas, on n'ira pas de l'avant avec vos projets. Donc, écoutez, déçu et de plus, on dit, bon, ben, c'est au MTQ de nous fournir les données, les informations. Mais ils ont juste à aller voir le MTQ et demander. Donc, pas de volonté politique pour la Gaspésie, c'est clair. Ce matin, on vient d'assister à l'éloge de l'immobilisme. La préfète de la côte de Gaspé, Délisca Ricci-Roussy, était là également. Elle n'a pas eu de réponse à ces questions, mais elle n'a surtout pas apprécié le fait, le discours du ministre sur la question du train et du consensus régional. J'avais aucune réponse. Puis en plus, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'on nous mette la faute sur nous, la table des préfets, les préfets de la Gaspésie-des-Îles, de ne pas être entendus sur le consensus. Puis on a eu un consensus en ce qui concerne le train. Puis consensus unanime, là, quand on dit là, que tout le monde était d'accord. Alors pour le train de marchandises qui se rendent jusqu'à Gaspé, mais le train de passagers aussi. Alors, on n'a jamais que personne d'entre nous a divisé les deux. Et j'ai pas eu ce qu'on appelle là, le son de cloche d'un ministre régional. Il dit qu'il est à l'écoute, il l'a dit souvent, mais je pense qu'il n'est pas nécessairement à l'écoute, parce que s'il est à l'écoute, il brasserait son gouvernement pour dire, écoutez là, il y a un consensus régional. Ensuite, il y avait une enveloppe qui était supposée devenir annoncée parce qu'on a fait des pressions pour avoir le train jusqu'à Gaspé de marchandises, puis le train, comme je vous dis, qu'on ne divise pas le train de passagers. Et ça a été tout arrêté. Puis depuis ce temps-là, on entend ces silences radio. Alors, automatiquement, moi, je suis pas d'accord avec ça. Tout parti confondu, moi, je pense que quand on travaille pour une région, qu'on soit péquiste, caquiste ou bien libéral, on se doit de travailler pour l'ensemble. Alors, moi, je suis très, très déçue. J'ai posé la question, pourquoi il n'y avait aucun représentant de la Société du chemin de fer de la Gaspésie à cette rencontre importante quand même? On a beaucoup parlé du train. C'est Délisca Ricci-Roussy qui a attrapé la balle au bon. Je suis administratrice à la Société des chemins de fer. Je m'attendais que mon président soit ici aujourd'hui et il devait être ici. Pourquoi il n'est pas? Peut-être qu'il y a eu des pressions. Alors, je te laisse là-dessus. Tu peux, en fin de compte, lui demander personnellement pourquoi il n'est pas venu. Parce que moi, je sens que quand tu es président de quelque chose, surtout d'un dossier aussi important que le chemin de fer, qu'on ne soit pas ici comme président, puis qu'on devait être là parce qu'il avait dit qu'il venait, alors ça, là, on peut y demander pourquoi. On a interpellé évidemment le président de la Société du chemin de fer, Éric Dubé, ce matin, pour répondre en quelque sorte à Délisca Ricci-Roussy. D'abord, il ne veut pas accorder d'entrevue. Il a dit qu'il ne voulait plus faire de la politique sur le dossier du train. Il a eu des rencontres récemment avec les gens du ministère à Québec pour discuter de la question. Il assure cependant qu'il n'a pas eu de pression politique de qui que ce soit pour ne pas être présent à Québec. Il pense que ça n'aurait pas fait avancer les choses. Au contraire, m'a-t-il dit, s'il y avait eu des pressions de quelque nature que ce soit, là, il se serait présenté à Québec, m'a-t-il dit. Il constate que les délais sont très serrés. Il souhaite avoir des réponses avant la fin de la période de dégel, c'est-à-dire d'ici la fin mai. Il souligne que ce qui devait être annoncé en décembre avait pris 11 mois. Alors, du tac au tac, je lui dis, bien, si ça prend 11 autres mois depuis décembre, ça veut dire que ça nous met en novembre. Il dit non. Il dit, il serait logique qu'on ait une réponse d'ici les deux prochains mois. Donc, ce sera à suivre. Mais une chose est sûre, il m'a dit qu'il allait régler la question ou discuter du cas avec Mme Roussy lors du prochain CA de la Société du chemin de fer de la Gaspésie la semaine prochaine. Maintenant, j'ai dit à la toute fin, j'ai demandé à brûle pour point à tous. Donc, c'était un véritable cri du cœur de la Gaspésie que vous êtes venu porter à Québec. C'est Alain Cormier qui a répondu à la question. On a l'impression que notre message ne porte pas, notre message n'est pas entendu à Québec. Et c'est pour ça qu'on voulait participer à l'activité d'aujourd'hui, pour que notre message soit entendu à Québec, par les médias de Québec, par les gens de Québec,
par le ministre régional qui représente la Gaspésie, mais qui siège, je crois, pour le comté de Trois-Rivières ou les environs d'eux? Québec. Bon, alors c'est important pour nous, là, vraiment, là, de porter la voix. À un moment donné, là, c'est fini le temps où on va souffrir en silence, là. Ça va pas bien, ça prend des intentions, oui, mais ça prend de la volonté. Puis pas dans 2 ans, pas dans 3 ans, pas dans 10 ans. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, il faut que le gouvernement bouge avec des actions, des gestes concrets pour nous dire, oui, ça chemine, oui, ça avance, oui, on se parle, on regarde pour des choses. C'est assez, ça, les cassettes, là. Quand on ne sait pas quoi répondre, là, on dit, ça chemine. Bien, c'est exactement ce qu'ils font. Ça chemine, ça chemine, ça chemine. Mais à un moment donné, il faut arriver à destination. Le vrai spécialiste de l'aménagement intérieur, c'est Stormag de Gaspé. Imaginez, en un seul endroit, vous pourrez vous procurer de tout pour votre intérieur. Chez Stormag, nous sommes fiers de vous servir depuis déjà 25 ans. Stormag de Gaspé, du 139 boulevard Gaspé, laissez-nous vous offrir un décor unique. Bienvenue à l'épicerie Marcel Langlais et filles. Vous trouverez tous les produits d'épicerie ainsi qu'un comptoir lunch avec sous-marin et sandwich. Venez voir également notre rayon boucherie et charcuterie. L'épicerie Marcel Langlais et filles au 49 de Corte-Réal à Gaspé, 418-368-3712. Vous avez eu un accident? L'atelier de carrosserie de Simpson Automobile de Gaspé vous accompagnera dans toutes les étapes de réparation de votre voiture. Nos mécaniciens d'expérience, formés par GM, sont ici depuis des années. Venez chez Simpson Automobile au 112 boulevard Gaspé. Bienvenue au Provigo Nadine Murray. Nous avons 4 bouchers disponibles pour vous servir. Ils se feront un plaisir de vous préparer les coupes de viande que vous désirez. Du côté des charcuteries et des prêts-à-manger, un repas du jour vous y attend. Toute l'équipe de Provigo Nadine Murray vous souhaite une très belle journée. Votre voiture a besoin d'un entretien? Vous avez eu un accident? Vous retrouverez chez Boulay Dodge Chrysler une équipe de mécaniciens d'expérience ainsi qu'un atelier de carrosserie qui saurait remettre votre véhicule en parfait état. Notre devise, le client d'abord. Boulay Dodge Chrysler, au 70 rue Jacques-Cartier à Gaspé. Égide Dupuis et fils, votre référence en rénovation. Les experts en peinture MF, soyez bien outillés pour bricoler ou encore construire votre décor de rêve. Et on livre vos matériaux où vous soyez. Égide Dupuis et fils, entre nous, c'est du solide. Avec un service de radiologie sur place et des soins de haute qualité, l'équipe de docteurs en chiropratique de la clinique chiropratique Cyr et Henry sera en mesure de répondre à vos besoins en matière de santé. La clinique est fière de contribuer à améliorer la santé des Gaspésiens et Gaspésiennes depuis plus de 40 ans. IGA Crosnier vous propose fraîcheur et qualité, sans compter les services exclusifs à Gaspé. Découvrez notre vaste gamme de produits prêts à manger. Trouvez tout sous un même toit au marché IGA Crosnier. Heures plus tard, c'est-à-dire après l'interpellation de vendredi dernier de la Gaspésie à l'Assemblée nationale, le thème était la Gaspésie délaissée par le gouvernement libéral. On reçoit le député de Gaspé pour en faire un bilan cet après-midi. Monsieur Lelièvre, bonjour. Oui, bonjour Nassan, bonjour à tout le monde. Quel bilan vous faites 72 heures après, là, après avoir décanté tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait? D'abord, beaucoup, beaucoup de dossiers non réglés en Gaspésie. Pendant les 2 heures, on a passé une panoplie de dossiers. On a essayé de couvrir l'ensemble de la Gaspésie et des îles même. Donc, on se rend compte qu'il y a une multitude de projets, de dossiers qui sont sur la planche à dessin puis qui n'aboutissent pas. Première conclusion. Deuxième conclusion, peu de résultats de la part du gouvernement depuis son arrivée. Beaucoup de dossiers courants dans le quotidien, dans le budget, les budgets réguliers des différents ministères, mais nos dossiers socio-économiques majeurs, que ce soit au niveau des transports, que ce soit au niveau du développement économique de façon générale, mais surtout au niveau des transports. Les enjeux majeurs sont sortis à ce niveau-là. Bien, il n'y a pas d'avancée réelle dans ces dossiers-là. Le chemin de fer, entre autres, extrêmement décevant. Au niveau aérien, on voit que la demande de Rocher-Percé a été refusée pour des études. La Haute-Gaspésie, pour l'aéroport, on attend toujours qu'un palier de gouvernement bouge du côté fédéral ou québécois. Du côté des îles de la Madeleine, ces gens-là sont pris avec 20 % de taux de cancellation. Parce qu'il a fallu aussi défendre les îles de la Madeleine, qui font partie de notre région. Gaspé, on attend le résultat de l'étude. Mais dans le fond, quand on regarde ça, c'est malheureusement, le ministre Proulx avait une belle occasion de nous faire état de l'avancement de certains dossiers, si ce n'est pas des annonces, au moins nous faire part des avancements. Mais l'ensemble des participants arrivent à la conclusion que finalement, il n'y a pas d'engagement concret qui ont été pris, puis ni de...
ni d'annonce de projet réglé. Parce qu'on l'a entendu tantôt quand je demandais à Sébastien Proulx, est-ce qu'on est rendu à 70, 75, 80 % d'analyse ou est-ce qu'on est rendu puis il n'est même pas capable de se commettre sur l'auteur ou est-ce qu'on est rendu dans ce plan de match-là? Bon, sa réponse en dit long. En tout respect pour le ministre Proulx, c'est quelqu'un, comme je lui mentionnais lors de l'interpellation, c'est quelqu'un de poli, c'est quelqu'un de correct là, dans sa façon de faire au niveau de la forme de ses interventions. Par contre, au niveau des résultats, le bilan est nul. Hein? Donc, puis c'est le deuxième ministre responsable de la région qui passe pour la Gaspésie et les Îles. Il y a tout près du deux tiers du mandat du gouvernement libéral actuel de passer. Et nos dossiers majeurs ne se réalisent pas. Donc, la réponse du ministre Proulx a été très différente aussi dans les derniers mois. En décembre, il disait qu'il était un peu impatient lui aussi. Au retour des fêtes, bon, ben là, on était à refaire les évaluations suite au changement de scénario. Puis là, présentement, les dernières déclarations, bien, c'est pas un dossier dans sa cour, c'est un dossier du ministère des Transports. Mais je le rappelle, en tout respect, qu'il est ministre responsable de la région, puis tous les dossiers majeurs de la Gaspésie et des Îles devraient être une préoccupation pour lui et son équipe. C'est son rôle de pousser les ministres concernés, sinon, qui va le faire? Est-ce qu'on peut dire que le seul dossier qui fonctionne rondement actuellement, c'est le dossier de Percé, où on sent que ça avance rondement dans ce dossier-là? Oui, honnêtement, le dossier de Percé, il faut dire qu'il y a deux volets, à mon avis, dans le dossier de Percé, très important. Le dossier de la reconstruction de ce qu'on appelait la promenade, qui va être remplacé par du rechargement de plage, un projet entre 12 et 15 millions. Ce projet-là, selon moi, chemine très bien. D'ailleurs, on a commencé les procédures pour déplacer certains bâtiments commerciaux. Donc, oui, moi, ce que je constate, j'ai eu des contacts, là, très bonne collaboration avec la ville de Percé, le directeur général, M. Caron, avec aussi certains ministères. Donc, on voit, oui, que ça avance, effectivement. Le bug, c'est le quai? Le bug, effectivement. Le deuxième dossier, qui est aussi important, c'est le quai de Percé. Le ministre Blanchet était clair la semaine dernière, pas question que la CEPAC touche au quai? Ça, c'est son avis, mais moi, je ne lâcherai pas non plus. Ça va être une partie de bras de fer dans ce dossier-là. J'ai parlé aux représentants des pêcheurs, j'ai parlé aux représentants des organismes touristiques. Tous les gens sont d'accord pour dire que le quai ne peut pas être rétrocédé à la ville de Percé. Donc, il y a deux choix. Soit que le fédéral le conserve et le remette en état, ce serait l'idéal si le fédéral pouvait assumer ses responsabilités puis arrêter de délester dans le cours des municipalités, surtout à Percé, une capitale touristique. Puis on sait que, notamment, Développement économique Canada a des mandats au niveau du développement touristique. Dès qu'on parle d'international, bien, Percé est une destination internationale. Donc, s'il y avait une volonté du fédéral, on pourrait, via Pêche-Océan, avec les ministères à caractère économique du fédéral, justifier le maintien puis la remise en état du quai de Percé. Maintenant, si le fédéral ne veut pas changer d'idée, bien, à ce moment-là, on doit se tourner vers le gouvernement du Québec parce que 90 % de l'achalandage du quai est voué autour de l'île Bonaventure et du Rocher Percé, qui est un parc québécois, propriété de la CEPAC, donc du gouvernement du Québec. Donc, il y a un autre intermédiaire. Le ministre Blanchet a peut-être une autre carte dans son jeu, je le souhaite. Si c'est de rétablir les communications avec le fédéral, je sais qu'il y a des négociations depuis récemment qui se font entre Québec. Oui, effectivement, c'est le cas. Il y a même eu une rencontre récemment. Là, j'ai été informé un peu de l'évolution du dossier. Donc, il y a des négociations entre Québec et Ottawa pour le quai. Est-ce que c'est des négociations qui vont porter fruit? On verra, mais je vais suivre ce dossier-là de très, très près. Puis l'important, c'est qu'il y a une saison touristique qui s'en vient à l'été 2017. Et il faut que le quai soit réparé, idéalement par le fédéral. Sinon, le gouvernement du Québec va devoir s'impliquer dans le dossier. Pour moi, c'est inadmissible. C'est irresponsable pour le gouvernement du Québec de s'en laver les mains. Quand une infrastructure sert à 90 % pour le gouvernement du Québec doit être au rendez-vous. On a beaucoup parlé de santé aussi, mais je veux particulièrement parler du cas de la Haute-Gaspésie, où on a vraiment senti un cri du cœur du préfet Cormier, le vendredi, à la toute fin de l'interpellation, là, où il allait être d'un combat de tous les instants pour soutenir sa Gaspésie, sa région, d'autant plus qu'Orbit, là, avec les derniers éléments, sont pas rassurants là-bas. Là. Bien, écoutez, oui, on le sait que la MRC de la Haute-Gaspésie, depuis un peu plus d'un mois, là, a vraiment entrepris une offensive face aux deux paliers de gouvernement pour demander un statut particulier, pour demander des interventions politiques. Vous savez, quand il y a une volonté politique, on peut aider une communauté, que ce soit une MRC, que ce soit une région. Et c'est ce que la MRC de la Haute-Gaspésie, les maires, par l'entremise de leur préfet, demandent. M. Cormier a réitéré sa demande d'intervention spécifique chez lui. Moi, je continue à croire que oui, la MRC de la Haute-Gaspésie est vraiment
Parmi les deux MRC les plus dévitalisés du Québec, tout de suite à côté, il se trouve la MRC du Rocher-Percé. Donc, moi, comme député, ma position, je rejoins celle de la table des préfets. Puis je pense que le préfet Cormier s'est rallié un peu à cette décision-là. Lui, comme préfet, c'est clair qu'il doit défendre sa MRC principalement. Mais l'enjeu ou le positionnement de la région, c'est d'avoir un œil de la part du gouvernement de très, très près sur l'ensemble de la région, là, notamment de la péninsule gaspésienne. On voit qu'aux Îles-de-la-Madeleine, il y a plusieurs dossiers quand même qui cheminent bien. Mais sur la péninsule gaspésienne, là, il y a beaucoup de travail à faire, notamment au niveau des transports, au niveau démographique, au niveau économique. Puis moi, je crois que ça prend un peu un troisième plan de relance. Il y a eu le premier plan de relance de Bernard Landry au début des années 2000. Il y a eu le second de Pauline Marois en 2013. Tout ça a été mis sur une tablette. Bien, le gouvernement du Québec doit, je dirais, remettre en place là, une stratégie spécifique à la région. Mais c'est clair que dans notre région, la MRC de la Haute-Gaspésie mérite vraiment un intérêt particulier. Il y a vraiment une urgence à intervenir là, dans la Haute-Gaspésie. Mais l'ensemble de la région là, a des problèmes. Donc, on ne peut pas dissocier les deux. Mais je pense que la phrase qui résume le mieux, c'est un plan de relance pour la région de Gaspésie-les-Îles, mais avec vraiment des particularités et vraiment là, des interventions pointues dans la Haute-Gaspésie et, je dirais, dans Rocher-Percé, qui est immédiatement à côté. D'ailleurs, on sent que Sébastien Proulx, là, le plan de relance du gouvernement Marois, auquel vous aviez été fortement associé, on sent que le ministre Proulx ne jette pas de revers de la main ce document-là. Il semble vouloir l'utiliser, là. Oui, effectivement. On l'a encore constaté dans ses propos vendredi à l'interpellation. Puis il avait d'ailleurs déjà mentionné dans le passé là, qu'il n'était pas fermé. Mais vous savez, c'est beau d'avoir un plan, mais il faut qu'il y ait une volonté. Quand on était au pouvoir, le Parti québécois, de 2012 à 2014, on avait consulté la région. Pendant deux mois, j'avais fait le tour de l'ensemble de la région comme ministre responsable de la région. On avait ensuite brodé un document qui s'appelait une stratégie 2013-2018 qui avait reçu l'aval des six MRC. Puis on avait commencé à réaliser les projets. La cimenterie de Port-Daniel était là-dedans. La formation professionnelle à Saint-Anne-des-Monts était là-dedans. Le géoparc de Percé était là-dedans. Donc, il y avait des dossiers qui avaient commencé à se réaliser. Moi, je suis content d'entendre que le ministre Proulx reconnaît, la pertinence de ce document-là. Mais où je suis plus inquiet, c'est quand je regarde le peu d'action de ce gouvernement-là depuis son arrivée, même avec un plan, est-ce qu'il va réaliser le plan? Est-ce que ce gouvernement-là va réaliser les projets qui sont dedans? Il nous reste un an et demi avant les élections. Il ne faudrait pas que ce plan-là soit mis à jour, puis que finalement, il serve juste de promesses d'élections. Pour 2018, il faut qu'il y ait des résultats. C'est comme table des préfets va déposer son mémoire, donc on peut s'entendre à ce qu'il n'y ait pas beaucoup d'actions avant l'automne, le temps que le gouvernement étudie ce que les préfets vont déposer. Bien, c'est très déplorable. C'est très déplorable. Tout le temps, là, on gagne du temps. C'est à se demander si on ne joue pas avec la région. Écoutez, à l'automne, là, ça va faire trois ans que ce gouvernement-là est en place. Puis là, on arrive avec un plan, puis un an avant les élections. C'est sûr que les projets majeurs ne se réaliseront pas dans ce cas-là avant les élections. Donc, ça revient à ce que je dis. Ça va être un plan qui va servir à des promesses d'élections pour 2018. Moi, je déplore ça. Il va y avoir un mandat de passé. Partout au Québec, on voit des investissements, notamment dans les milieux urbains. Les régions, comme la Gaspésie, malheureusement, nous, on attend. Vous avez été surpris de ne pas voir le président de la Société du chemin de fer parce que le principal enjeu, avant et après, on le disait tous, c'était le transport, de voir celui qui a le porteur de ballon, finalement, qui n'était pas là. Effectivement, on a eu des contacts avec le président, M. Dubé, dans la semaine qui a précédé, la semaine dernière, avant l'interpellation. À un moment donné, il y avait de l'hésitation, est-ce qu'il venait ou pas. Puis finalement, j'ai pas eu de détails sur les raisons de son absence. Oui, moi, je déplore ça, que le président de la Société de chemin de fer n'ait pas été présent lors de l'interpellation, parce que le chemin de fer était le dossier numéro un, comme vous avez pu le constater. Et Mme Rossi a parlé de pression. À peine voilée, là, pression politique. Oui, j'ai entendu Mme Roussy affirmer ça. Est-ce qu'elle a des éléments qui l'amènent à affirmer ça? Je présume que oui. Elle est membre du conseil d'administration. Moi, personnellement, je n'ai pas d'éléments qui me permettent d'affirmer ça. Si c'était vrai, ce serait la deuxième fois où on intervient directement dans ce dossier-là avec des attachés politiques. Donc, il y a quelque chose de malsain là, quand on dit « Viens pas à Québec, on ne veut pas te voir parce que ça pourrait nuire à ton dossier ». Écoutez, là, on tombe dans le conditionnel puis dans vraiment l'hypothétique. J'aime mieux pas commenter, là. Écoutez, c'est de la politique. Moi, je m'en cache pas. J'ai fait des démarches, j'ai envoyé des courriels, j'ai parlé à des élus, à des représentants socio-économiques pour les inviter à être présents parce qu'on défendait la région Gaspésie-les-Îles vendredi dernier
deux heures pour défendre la région à l'Assemblée nationale, ça n'arrive pas tous les jours. La Gaspésie est dans une situation où on a des enjeux extrêmement importants. Il m'apparaissait pertinent que le maximum de représentants politiques, municipaux et socio-économiques soient présents. Bon, une quinzaine sont présentés, d'autres n'ont pas venu. Est-ce que le gouvernement a fait le travail contraire, c'est-à-dire aviser certaines personnes, leur suggérer de ne pas être présent? Si c'est leur suggérer, bon, la game politique se joue. Si c'est imposer des décisions ou faire du marchandage ou de la pression indue, bien là, c'est inadmissible. Mais là, on parle, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir confirmer ces oui-dire-là, on reste dans l'hypothétique. Puis moi, je n'ai pas de preuves, honnêtement, à l'effet qu'il y a des téléphones qui ont été faits. Il y a des gens qui m'ont dit que ça avait été fait, mais c'est tout des oui-dire, donc j'aime mieux pas embarquer sur ce terrain-là. Là. Puis j'espère que le gouvernement n'est pas rendu là. Dernière question en 30 secondes. Vous avez fait un détour par Grande-Vallée là, au Congrès des chasseurs et pêcheurs. La question des camps de chasse, j'imagine qu'on vous a abordé sur cette question-là? Pas vraiment. Pas vraiment. Ça n'a pas été un dossier là, qui a ressorti. Je m'attendais à avoir plus de questionnements par rapport à ça. Mais il faut dire qu'il y a des travaux qui sont faits au cours de la journée. Moi, je suis allé à la fin de la journée pour rencontrer les gens lors du cocktail et du souper. J'étais là d'environ de 18h à 22h. J'ai eu des discussions avec les représentants des différentes associations fauniques du Québec, le président provincial, entre autres, et M. Poitras, notre président régional. Le thème a été légèrement abordé en conclusion dans la soirée, mais il semblerait qu'il y a un positionnement à l'effet que les gens veulent respecter l'esprit de la loi. Puis ça, je pense, ça fait un bout en Gaspésie que cette position-là est prise. Maintenant, les gens ont quand même manifesté leur mécontentement quant à la façon de faire qui est déplorée par plusieurs chasseurs, c'est-à-dire, bon, le fait de détruire des camps sans... Presque au Moyen Âge, là, où on faisait brûler ce qui ne faisait pas notre affaire. Écoutez, j'entendais ce matin aux nouvelles un représentant du ministère qui expliquait que des avis étaient donnés 7 mois, 1 an à l'avance. Bon, c'est la belle version officielle. Moi, ce que j'ai comme député, comme témoignage de plusieurs personnes, c'est que souvent, les avis ont été reçus il y a plusieurs années. Il n'y a pas eu de suite. Et les gens disaient, bon, écoutez, ça fait 2 ans, 3 ans qu'on n'a pas eu de nouvelles. Probablement qu'ils ont changé d'idée. Fait que les gens ont laissé leurs affaires dans le personnel, leurs biens personnels dans le camp cet automne. Mais malheureusement, on a décidé, quelques années après que les avis aient été émis, de procéder au brûlage des camps. Puis là, on le voit, on a des témoignages que... Au plan environnemental, il y a du carburant qui a été laissé sur place, des bidons de propane. On a vu les photos des amoncellements de ferraille sur place. Moi, ça m'apparaît inopportun comme façon de faire, surtout d'une société d'État. Là. On parle du gouvernement. Oui, qu'on applique la loi, on ne peut pas s'opposer à ça. Les gens sont... La plupart étaient illégaux, mais quand ça fait 1 an, 3 ans, 5 ans, certains même 10 ans sont tolérés, puis du jour au lendemain... sans qu'on rappelle, sans qu'on réavise dans des délais raisonnables là, l'intention de brûler les camps, moi, ça ne m'apparaît pas la bonne façon de faire. Puis c'est ce que j'ai déploré comme député, puis c'est la dimension que je veux que le ministère prenne en compte. Est-ce qu'on peut aviser les gens de façon correcte dans des délais raisonnables? Puis que vous savez, la réponse que j'ai souvent du ministère, c'est que les gens ne sont pas identifiés, on ne les connaît pas. Mais pourquoi, si on ne connaît pas ces gens-là au ministère, pourquoi les MRC réussissent à leur transmettre des comptes de taxes? Puis ça fait 10 ans, puis 15 ans que ces gens-là payent leurs taxes, se comportent en bons citoyens. Donc, moi, je vais donner un conseil au ministère des Ressources naturelles. Bien simple. S'ils veulent rencontrer les gens, ils n'ont seulement qu'à aller dans les camps dans le temps de la chasse ou à la MRC. Puis ils vont voir que dans le temps de la chasse, 95 % des camps doivent être occupés. Les gens vont être présents, ils vont pouvoir les identifier. Sinon, bien, qu'ils collaborent donc avec les MRC. Puis ça va être très efficace. Donc... Je comprends pas la position du gouvernement qui dit que les gens ne sont pas identifiés, là, qu'ils ne peuvent pas les reconnaître. C'est pas sérieux. Merci, M. Lelièvre. Ça m'a fait plaisir. Gaétan Lelièvre, député de Gaspé à l'Assemblée nationale. Soyez le héros d'aujourd'hui avec Varilux. Ayez une vision ultra nette à toutes les distances. Les verres progressifs Varilux vous permettent de mieux voir sans effort. Grâce à des technologies uniques issues de plus de 50 ans d'innovation. Varilux, le pouvoir de mieux voir. Bonjour, je suis Alain Paradis, directeur au développement. À la MRC, j'accompagne les entrepreneurs dans leurs projets en offrant conseils, support, références et financement. Tout ça afin de favoriser le développement des entreprises.
Roulotterie Albuin, nouvellement dépositaire des produits Cruiser et des luxueux motorisés Berkshire et Charleston. Vous retrouverez donc l'éventail de produits le plus complet en Gaspésie. Partir à l'aventure, Roulotterie Albuin, le spécialiste VR en Gaspésie. Quatre saisons motorisées vous offrent la gamme de produits d'entretien de pelouse et de jardin Columbia. Une tondeuse à rayon de braquage zéro ou de tracteur de pelouse et de jardin Columbia. Venez rencontrer Steve et son équipe chez Quatre saisons motorisées au 5 rue du Lila à Gaspé. On parle maintenant de sport avec Alain Paradis, gouverneur des Prédateurs de Forillon. Bonjour Alain. Bonjour Nelson. Grosse fin de semaine, la Coupe Desjardins. Une belle fin de semaine. Là, on a départagé tous ceux et celles qui vont aller à la Coupe d'Oche dans deux semaines. Ouais. Alors, il y a quand même des représentants de la zone Forillon qui vont être de la partie. Oui. Heureusement, on a effectivement, sur les quatre catégories, on a un représentant, les Midgets, qui sont les Prédateurs, donc qui vont aller représenter la Gaspésie. Puis, bien évidemment, nos Bantams qui sont divisés. On avait deux équipes, dans le fond, dans lesquelles on avait des représentants de Forillon. Donc, on avait deux chances sur trois d'avoir des représentants au niveau Bantam. Puis, c'est effectivement une des équipes qui a gagné, les Gladiateurs, en fait, de Gaspésie, qui ont remporté dans le Bantam. Donc, on a, somme toute, une vingtaine de joueurs là, qui vont représenter la Gaspésie au championnat provincial, la Coupe Dodge, dans deux semaines. Faisons ça à l'inverse de l'habitude. Commençons par les Midgets, puisque ce sont eux qui vont nous représenter à la Coupe Dodge. Une belle fin de semaine pour nos Midgets. D'entrée de jeu, bon, les trois catégories, en fait, sauf Bantam, les trois catégories avaient chacun trois matchs de qualification. Une partie contre chacun des autres clubs. Puis donc, Bantam, on commençait en recevant donc les Gladiateurs de Baie-des-Chaleurs, une victoire de 6-1 d'entrée de jeu mercredi passé. Suivi le lendemain, une rencontre avec les Îles-la-Madeleine, les îles qu'on ne connaissait pas, évidemment. Mm-hmm. Hein, on ne les voit pas du tout durant la saison. Ils sont sortis relativement... En fait, les Prédateurs menaient 3-0 à un certain moment, puis la vapeur est complètement renversée deuxième et troisième période. Au bout de la ligne, dans le fond, les îles ont remporté le match 6-3. Oh. Donc, ça a shaké un petit peu la muraille des Prédateurs. Le lendemain, une grosse rencontre contre les Bulldogs du Rocher, qui faisaient en sorte de départager la première position de la deuxième au classement préliminaire. Une belle partie de hockey, une victoire de 4-3 de nos Prédateurs. Donc, de cette façon, ils s'assuraient de terminer en première position. Les Bulldogs étaient deuxième, les Îles troisième et la Baie-des-Chaleurs quatrième. Donc, on rencontrait Baie-des-Chaleurs en demi-finale. Une belle victoire, une belle partie aussi samedi soir, une victoire de 4-1 contre les représentants donc, de la Baie-des-Chaleurs, qui nous amenait en finale, qui amenait nos Prédateurs en finale, à nouveau contre le Rocher. Tout un match de hockey, tout l'ensemble des gens présents à l'aréna ce dimanche après-midi sont tous du même avis. Une très belle partie de hockey qui s'est décidée à la 15e seconde avant la fin du match. Oh. C'était 4-4, puis les Prédateurs ont marqué avec 15 secondes à faire. Donc, une victoire de 5-4 pour nos Prédateurs Midgets. Ça, c'est crève-cœur pour l'équipe qui perd. C'est sûr, mais c'est plaisant pour l'équipe qui gagne, bien évidemment. Bien. Et le joueur du match? C'est le gardien de but. C'est le marquant intéressant. Les gens qui ne savent pas, c'est ton fils. Oui, une vraie belle performance. Puis on est très satisfait. Une belle victoire. On a été opportunistes aussi. En l'occurrence, pendant la partie, les Prédateurs ont su fermer le jeu là, au moment d'un 5 contre 3. Puis tout de suite après le 5 contre 3, on a marqué le troisième but. Qui a fait en sorte, ça a donné en quelque sorte le momentum à nos Prédateurs. Mm-hmm. Donc, on est très satisfait de notre fin de semaine. Mm-hmm. Bantam, l'autre catégorie où on a des représentants de chez nous. Bantam, c'est ça. Donc, comme je vous disais, on avait deux chances sur trois d'avoir des représentants. Puis, les Bantam, eux, de la façon qu'ils fonctionnaient, c'est que au lieu d'avoir seulement deux parties, c'est-à-dire une partie contre chacun en préliminaire, c'était deux parties contre chacun. Donc, chaque équipe jouait quatre parties. Si on commence par les Prédateurs, on va y aller très sommairement. Donc, dans un match nul entre les Prédateurs et les Gladiateurs pour commencer le tournoi. C'est ça, 5-5. 5-5. Ensuite de ça, dans la même journée, c'est pas une excuse, mais peut-être une raison qui explique le résultat. Les Prédateurs ont affronté les Îles dans la même journée, donc une défaite de 5-1 cette fois-ci. Par la suite, on a rencontré à nouveau les Gladiateurs, une défaite au moins des Gladiateurs de 6-4 pour leur troisième match.
suivi d'une victoire cette fois-ci contre les Îles. Donc, quand je disais, c'est pas une excuse, mais à partir de 5-1, puis une défaite de 5-1 versus une victoire de 4-2, donc ça peut en fait expliquer ou du moins la cause peut-être en partie que ce soit le deuxième match de la même journée dans le fond. Mm-hmm. On terminait en troisième position, en deuxième position pour nos Prédateurs. On affrontait donc les Îles en demi-finale. Une victoire à nouveau de 5-3. Qui nous a propulsés en finale? Propulsés en finale contre les Gladiateurs en vertu d'une fiche. Bon, les Gladiateurs, un match nul d'entrée de jeu, suivi d'une victoire contre les Îles. Une défaite contre les Îles, 7-5. Une victoire contre les Prédateurs et une victoire à nouveau contre les Îles, 5-0. Donc, eux, ils terminaient premiers. Mm-hmm. Ils attendaient le gagnant de la demi-finale, en l'occurrence, les Prédateurs. Finale Gladiateurs-Prédateurs, remportée par les Gladiateurs, par le pointage de 5-2 dimanche après-midi, juste avant la finale des midgets. Mmh. Donc, ce sont les Gladiateurs de Gaspésie qui vont nous représenter. À la Coupe d'Oc. À la Coupe d'Oc. Catégorie Pee-Wee. Pee-Wee, nos représentants ont entamé le tournoi avec une belle victoire de 4-3 aux mains du Rocher, face au Rocher, devrait dire, suivie d'une défaite de 4-1 face aux Îles. Les Îles, encore là, c'est le même principe. Premier match, on ne les connaît pas. Par la suite, une défaite à nouveau contre les Gladiateurs de Baie-des-Chaleurs qui, eux, ont toujours présenté durant la saison. On se souvient d'une très bonne équipe, une très bonne formation. Tout à fait, oui. Puis, le classement préliminaire faisait en sorte que nos Prédateurs affrontaient à nouveau les Îles en demi-finale. Premier match est terminé, une défaite de 4-1. En demi-finale, une défaite de 3-1 aux mains des Îles. Donc, les Îles s'en allant en finale. De l'autre côté, le Baie-des-Chaleurs a vaincu le Rocher. Donc, finale, les Îles, Baie-des-Chaleurs. Et les Îles sont sacrés champions en vertu d'une victoire. Je crois que c'est 3-2 que ça s'est terminé. Donc, les représentants de la Gaspésie pour la catégorie Pee-Wee 2B, c'est les Îles de la Madeleine. En fait, on dit représentant de la Gaspésie, mais c'est représentant de Gaspésie des Îles, bien évidemment. Et enfin, Atome. Atome, toujours le même principe. D'entrée de jeu, une défaite de 3-0 contre le Rocher, suivie d'une victoire de 3-2 contre les Îles. Ça, c'est encourageant. Une défaite par la suite au troisième match de 4-1 contre la Baie-des-Chaleurs. Bon, ça fait qu'ils terminaient au bas de classement, affrontaient le Rocher en demi-finale. Une belle victoire en prolongation, 2-1. C'était un petit peu pas la vengeance, mais en tout cas, c'était l'inverse du premier match. Donc, une victoire de 2-1 contre le Rocher en demi-finale. Et en finale, contre la Baie-des-Chaleurs, qui présente encore là un excellent club d'hockey. Une victoire de 5-0 des Gladiateurs de la Baie-des-Chaleurs contre nos Atomes. Représentant Atomes, donc, la Baie-des-Chaleurs. On se trouve donc avec Atomes représenté par la Baie-des-Chaleurs, Pee-Wee représenté par les Îles, Bantam par les Gladiateurs de la Gaspésie et Midget par Forlorn. Grosse fin de semaine, donc pas en fin de semaine qui vient parce que c'est Pâques, mais l'autre fin de semaine, tout ce beau monde-là s'en va du côté de Montréal pour la Coupe d'Oc. Oui, c'est tout dans la région de Montréal, effectivement. Le tournoi débute le jeudi, puis ça se termine dimanche exactement deux semaines. Là, donc c'est assez court pour se virer de bord, mais c'est prévu depuis longtemps. Ouais, fait que les autobus sont déjà prêts. Puis en tout cas, les joueurs espère qu'ils vont être prêts. On l'espère. Merci beaucoup, Alain. Ça fait plaisir. Fait qu'on se revoit dans deux semaines. Parfait. Alain Paradis, gouverneur des Prédateurs de Forillon. Martin Gagnon, Vicky Fournier, Monica Dufresne et Antoine Gagnon-Roy sont fiers de vous offrir leurs services comme pharmaciens de famille affiliés à Uniprix. Consultez-les pour toute question relative à votre santé. Parce que Uniprix, ça fait du bien. À la clinique vétérinaire Evwood Lavoie, nous sommes équipés d'appareils et de systèmes de grande précision. De l'anesthésie jusqu'au réveil, votre animal recevra des soins chirurgicaux ou dentaires à la fine pointe de la technologie. La clinique vétérinaire Evwood Lavoie, 418-368-2288. Dans l'univers de l'automobile, il y a des professionnels et Joanne Adams en fait partie. La marque Toyota n'a plus de secret pour Joanne. Profitez de cette belle énergie et d'un service impeccable de l'équipe de Gaspé Toyota. Venez la rencontrer en tout temps. Vous ne savez quoi offrir? Nous offrons toujours les certificats cadeaux de la papeterie Cartier. Et pour la gente féminine, venez voir notre incroyable sélection de produits Fruits et Passions, Crabtree et Evelyn, les lampes Berger et bien d'autres produits, tout ceci à la papeterie Cartier.
Depuis 62 ans, Raymond Chabot Grant Thornton est au cœur de l'activité économique de Gaspé. Que vous soyez un particulier, un travailleur autonome ou une entreprise, nous vous aiderons à réaliser votre plein potentiel de croissance. Faites confiance à notre équipe et venez nous rencontrer à notre bureau de Gaspé. Il y a 2 ans, la ville de Gaspé avait pris un pari audacieux, celui de prendre sous son aile la gestion des boues de fosses septiques. On avait lancé des appels d'offres et tous les entrepreneurs qui avaient déposé des soumissions étaient beaucoup plus élevés que la cible que Gaspé s'était fixée, une cible égale ou moindre que 250 $ par porte, finalement. On a dévoilé donc ce bilan financier-là avec 3 objectifs en tête: améliorer le service aux citoyens, diminuer le coût payé par les citoyens et améliorer le bilan environnemental. Donc, on fait le constat 2 ans plus tard que selon la ville, on a rencontré ces objectifs-là. Maintenant, pour les 2 premières années, il y avait l'implantation de ce système-là, c'est-à-dire achat de camions, entre autres, 370 000 $. Pour les 2 premières années d'opération, la ville dit qu'elle est en 11 % en deçà du coût du plus bas soumissionnaire qui provenait de l'extérieur de la municipalité. Pour la 3e année d'opération, après 2 ans de rodage, la ville prévoit être entre 20 et 24 % en deçà du coût du plus bas soumissionnaire. Donc, actuellement, les 2 premières années, 277 $. On a absorbé des frais, on a trouvé des solutions, des manières de faire. Finalement, ben, pour la première année, en 2015, demi-année, si on peut dire, 924 fosses ont été vidées pour un coût moyen de 262 $ la fosse, beaucoup moins cher, dit-on, que le service privé. En 2016, année complète d'opération, on avait vidé 1777 fosses pour environ 285 $. Bon, il y avait plus d'intrants extrants, plus de bouts de fosses à transporter à Grande-Rivière ou à Matane, ce qui explique un peu en quelque sorte. Et là, pour 2017, bien là, maintenant qu'on a tout vider les fosses et qu'on veut le faire au cours de dans un délai de 2 ans. À chaque 2 ans, finalement, votre fosse sera vidée si vous êtes installé de cette façon-là, ce qui met en moyenne 1350 fosses par année à vider. Budget moindre parce que là, on connaît les coûts, les intrants, les extras. On est allé en appel d'offres pour la partie transport, ce qui fait qu'on a déjà ces coûts-là. Donc, on estime la facture du côté de l'Hôtel de Ville à 236 $ par fosse. Alors, est-ce qu'on pourrait voir au cours des prochains mois ou des prochaines années, en fait, une réduction possible de la facture? Est-ce que ça a été un bon investissement? Le maire de Gaspé, Daniel Côté. On a mis le service en place. On se rend compte que ça fonctionne comme on avait prévu. Les coûts sont... On est vraiment dans les chiffres qu'on avait prévus. Ça coûte moins cher aux citoyens. Puis du côté de la ville, bien, c'est un service de plus qu'on offre dans notre panier de services aux citoyens. Les citoyens voulaient que la ville s'en occupe. On l'a pris en charge. On est capable d'arriver avec une facture moindre pour le citoyen. Donc, je pense que c'est un bon coup. Un des objectifs aussi du programme, c'était de faire des gains environnementaux. En le faisant aux 2 ans, bien, ça évite les débordements consécutive à 3 ou 4 ou 5 ans, même 6 ans dans certains cas, de fosses qui n'avaient pas été vidées. Donc, au niveau environnemental, la ville estime faire des gains également. Jocelyn Villeneuve est directeur de l'urbanisme. Important, comme j'expliquais tout à l'heure, étant donné qu'au niveau rural, nous, on a une grande densité, la population, donc on n'a pas de protection des terres agricoles, donc on a plusieurs, les constructions sont assez les unes sur les autres, je dirais, pour un milieu rural. Donc, chaque installation septique comme ça, qui n'était pas vidangée aux 4 ans, qui n'était pas vidangée aux 2 ans, bien, pollue plus. Il y a un risque de contamination pas mal plus grand que si on la vidange aux 2 ans. Là, en ayant tout vidangé, bien, c'est sûr que ce risque de contamination-là est plus présent, mais il était là parce qu'on s'est rendu compte que la grande totalité de nos installations septiques n'étaient pas vidangées aux 2 ans, même qui n'étaient pas vidangées aux 4 ans. Donc. De probabilité d'averse pour ce soir et cette nuit, particulièrement au cours de la nuit. Un minimum prévu à 3 degrés. Demain, généralement nuageux, 7. Mercredi, de la pluie intermittente, 3. Neige ou pluie intermittente pour jeudi avec 6. Plus de pluie que de neige, probablement, là, ou en fin de nuit, tout début de journée pour la neige. Le vendredi saint, du soleil, 7. Samedi, du soleil, 3. Et puis dimanche, jour de Pâques, du soleil avec 8. Ça s'annonce pour l'instant à être une superbe fin de semaine pascale.
Mais ça a le temps de changer. On est seulement que lundi et on parle déjà d'une semaine. On a de la misère à savoir demain, alors imaginez dans 6 jours. 5 et moins 4 sont des normales. Le soleil se couchera à 19h01 ce soir. Vous pouvez revoir toutes les entrevues que l'on a amassées à Québec lors de l'interpellation de 2h du Parti québécois à Sébastien Proulx pour savoir qu'est-ce qui s'est passé au cours des dernières années en Gaspésie, à interpellation, notamment sur le train. La question des transports était la priorité des élus gaspésiens, quinzaine qui se sont présentés au total. Donc, vous pouvez voir tout ça sur la page Facebook de Télégaspé. C'est comme ça qu'on le voit à Gaspé aujourd'hui, de ce lundi, le 10 avril 2017. Ici Nelson Sirgery, bonne soirée et à demain. Radio Gaspésie produit des émissions originales, des nouvelles d'actualité pertinentes, en plus de créer des concepts publicitaires originaux. Grâce à la qualité de notre contenu radio, web et Facebook, nous rejoignons des dizaines de milliers de personnes. À titre d'entreprise d'économie sociale, nous sommes heureux de contribuer financièrement à notre communauté. Notre succès, c'est une équipe de 76 professionnels et bénévoles qui réalisent une radio pour vous. Le spécialiste en impression grand format, articles promotionnels, vêtements corporatifs, broderie, sérigraphie, imprimé commercial, avec son service d'infographie sur place, Concept K de Gaspé saura faire la différence. Entreprise, festival ou équipe sportive, selon vos besoins de casquettes, sacs de sport, balles de golf, nous avons ce qu'il vous faut. Contactez-nous au 88 368 0773 ou visitez le www.conceptk.ca. Avec Concept K, la différence se voit.